Bonjour et bienvenue dans Weari. Aujourd'hui, je vous emmène participer au premier pentathlon de la Nouvelle-Calédonie, organisé par le WWF, spécialiste mondial de la protection de la nature. Ce raid permet d'allier expérience humaine, sport et défense de l'environnement. Pour cette première édition, le choix s'est porté sur Dembéar. Et ce n'est pas étonnant parce que cette vallée a été victime ces dernières années de nombreux incendies et de l'exploitation minière. Il était donc important de sensibiliser la population à ces problèmes, d'où le pentathlon. Weari sur NCTV, c'est tout de suite. Bonjour Margot. Bonjour Cédric. Alors, t'es en forme? En forme. Tu t'es échauffé un peu ouais, déjà? Ouais, j'ai même mis mes baskets. Ok, voilà. Oui, bah c'est important les baskets. Cédric, bienvenue à la première édition du pentathlon. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le pentathlon, s'il te plaît? Alors, le pentathlon, c'est un événement de référence du WWF France qui existe en métropole et qui a été également organisé à l'île de la Réunion. Et en fait, le but, c'est de pouvoir organiser un événement sportif éco-conçu qui permet de collecter de l'argent pour financer un haut lieu de biodiversité. Donc en Nouvelle-Calédonie, pour cette première édition, nous on a décidé d'organiser le pentathlon à Dembéar et l'objectif est de collecter de l'argent pour financer un chantier de plantation à Dembéar. Parce qu'on sait qu'ici à Dembéar, c'est aussi une aire protégée. Oui, tout à fait. La Dembéar est une aire protégée. D'ailleurs, le WWF y travaille depuis 2002 avec l'association Dembéar Rivière Vivante. Et on a commencé en 2012 des chantiers de plantation à Dembéar. Donc en 2012, en 2013 et en 2014, on a planté 1000 arbres à Dembéar. Mais on aimerait en planter beaucoup plus parce que le travail est immense et il est important de préserver l'eau de la rivière de la Dembéar. D'où l'importance d'organiser ce genre de manifestation. Qu'est-ce que tu m'as organisé comme parcours? Alors, ne t'inquiète pas, il y a deux raids aujourd'hui et on t'a prévu sur le petit raid. On sait que tu es un grand sportif, mais il ne faut pas en faire trop, on veut te garder en forme. Donc, tu vas faire le raid de 10 km environ. Mmh. C'est le petit raid, le grand parcours, lui, fait plutôt 16-17 km. D'accord. Et tu verras, tu vas donc rentrer et découvrir le parc provincial de la Dembéar. Mmh. Et tu vas passer par la branche est et la branche nord de la Dembéar. Le paysage va être magnifique, surtout si le soleil perdure. C'est ça. Donc je vais te remettre ton dossard et puis on va t'équiper. D'accord, moi je te suis. Ok. Alors, je vais te remettre ton dossard. Yes. On t'a préparé un petit dossard. Oh, c'est mignon. Spécial pour Weari. C'est cool. Tiens, merci beaucoup. Tu peux tenir deux minutes? Vas-y. Je vais essayer de ne pas te piquer. Et voilà, tout équipé. Yes, merci beaucoup. Je vais t'accompagner dans la navette et ouais. Puis on va aller au départ. D'accord. Ok, ouais. Allez, viens. Bon Cédric, ouais. Je vais te laisser te préparer, ça y est, ça va bientôt être le départ qui ouais. va se faire là. Et puis on se retrouve à l'arrivée. Ça marche. Bon okay. courage. Merci beaucoup, je prends, je prends. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Fini la séance d'échauffement et ça fait vraiment, vraiment du bien. Je vais vous demander de revenir vers moi et vous mettre derrière moi pour le départ. Vraiment vous remercier de votre présence. C'est un moment historique pour nous. C'est la première course en Nouvelle-Calédonie en faveur de l'environnement. Allez, Cédric! La forêt humide sur Saône-Migné est le deuxième lieu le plus touché après la forêt sèche. Pourquoi ? On regarde.
nous sommes sur la branche est de la Haute d'Imbéa, dans un espace qui a maintes et maintes fois brûlé. Le dernier feu en date, c'était en 2009. Là, c'est une photo aérienne qui a été prise juste après le passage du feu en 2009. Et on voit très très bien la morsure du feu sur la vallée, avec le peu de forêt, les petits patchs de forêt humide qu'on réussit à résister au passage du feu. Et alors que l'on se parle, eh bien, on se situe exactement ici, au plein cœur de la zone brûlée. Après le passage du feu, il ne reste pas grand-chose, si ce n'est un cortège d'espèces qui est capable de résister au feu. La partie aérienne a brûlé, et par contre, avec les réserves dans les racines, ces espèces-là sont capables de relancer une nouvelle croissance. Donc c'est le cas des fausses bruyères, qui est juste à côté de moi. C'est le cas des fougères-règles, qu'on connaît partout sur le territoire. Ces fougères-règles, elles ont la capacité, en effet, de résister au feu, mais en même temps, elles favorisent le feu. Pourquoi ? Parce que là, on voit les feuilles vertes, et puis les feuilles qui sont mortes de l'année dernière, et puis celles de l'année encore avant. Donc, ce qui fait qu'on a tout un combustible qui reste en place et qui est très aéré, qui est très sec à aérer. Et si jamais il y a une allumette qui repasse, eh bien, c'est une autoroute pour un nouvel incendie. Voilà. Et c'est pour ça qu'à travers le pays, dans la chaîne, vous voyez des vallons entiers, des collines entières qui sont couvertes d'une espèce de couleur grise et qui brillent un peu au soleil. Eh bien, c'est souvent la fougère-règle qui recouvre ces flancs de montagne. À cette place-là, il y a quelques dizaines d'années, peut-être plus d'un siècle, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, avant, on avait une magnifique forêt, une forêt humide sur sol ultramafique, les sols miniers, dont il ne reste plus aujourd'hui que 10%. Donc ça, c'est une orchidée, Eriaxis rigida, qui fait partie du cortège de la flore appauvrie de ces zones après le passage de feu. Alors ça, c'est intéressant. On a devant nous un grévillea, qui est une espèce de maquis commune. On voit ici les vestiges du grévillea qui a brûlé en fin 2009, lors du dernier incendie. Et puis grâce aux réserves racinaires, eh bien, en 2010, il a repris une croissance et nous a fait en quelques années un très bel arbuste qui participe au retour du maquis, à cette ambiance, pas encore forestière, mais que l'on va compléter avec tout notre cortège d'espèces forestières. Le but de ce reboisement, c'est de préserver la Haute d'Imbéa, de restaurer les surfaces qui ont été dégradées par les feux, et donc qui aujourd'hui, eh bien, ce sont des sols nus, il n'y a quasiment plus de sol à certains endroits, c'est du caillou. Donc de remettre de la vie végétale pour relancer une dynamique de forêt. Ce plant, on l'a planté en 2012, il y a 3 ans. Donc vous voyez le temps que ça prend de restaurer un site dégradé sur sol minier. Et ce bois pétrole est une espèce intéressante parce qu'elle participe à dresser la table, le buffet, pour les frugivores de la forêt. Les roussettes, les pigeons, les merles noirs ne vont pas revenir ici s'il n'y a pas de nourriture. Et donc l'intérêt, c'est d'utiliser ce genre de plantes qui vont produire des fruits qui attirent les frugivores. Et en venant ici, ils se posent dessus, ils mangent les fruits, et avant de s'envoler, eh bien, c'est une question d'économie d'énergie, ils se vident les intestins, et ce qu'ils vont rejeter, ce n'est pas ce qu'ils viennent de manger, c'est le repas d'avant qu'ils ont pris dans les forêts des coquilles, dans les forêts de la Haute d'Imbéa ou celles des Tzumac. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les graines vont tomber dessous, à l'intérieur du caca des oiseaux ou des roussettes, et puis germer à l'ombre de nos petits arbres, et enrichir ainsi la forêt. On utilise sur nos chantiers restauratoires
sur les trois dernières années, à peu près 35 espèces différentes d'arbres et d'arbustes qui ont chacune leur particularité. Il faut que ce soit des espèces qui résistent à l'ensoleillement très dur, vous le voyez encore aujourd'hui, mais qui résistent aussi au fait que le sol est très très pauvre, et il y a très peu de matière organique, ce sont des sols toxiques, donc il y a plein d'espèces que l'on ne peut pas utiliser, et puis elles vont pousser lentement, relativement lentement, et on va les choisir aussi pour une maturité assez rapide. Donc c'est tout un assemblage d'espèces, de champions, qu'il faut peu à peu choisir, parce qu'il n'y a pas un endroit qui ressemble à un autre endroit en Calédonie. Donc on utilise l'expérience des précédents chantiers, et puis bien, on teste, et puis on voit progressivement quel est le meilleur cortège pour panser les plaies du feu sur la haute d'Imbéa. On va aller ici voir une autre espèce, un autre petit plant qui est même deux fois plus petit que le premier, mais qui est déjà en fleur. Là, il s'agit de Aphytonia neocaledonica, qui va donner un bel arbre qui va faire 8-10 mètres dans quelques années. Il va prendre son temps, mais déjà, vous voyez, il est en train de fleurir. Donc ça veut dire que derrière la fleur, s'il est fécondé, on aura des fruits, et que ces graines vont se disperser dans la parcelle. Et avec un peu de chance, ben, on aura des nouveaux Aphytonia neocaledonica nés des plants que l'on a mis en terre il y a 3 ans. C'est une femelle de sucrier écarlate. Là, j'observe deux espèces de méliphages. Des méliphages à oreillons gris, le suceur qui est très classique, que l'on trouve dans nos jardins. Et pourquoi on les trouve ici? Parce que devant moi, on a une poche de forêt qui a résisté au passage de feu. Et donc, le maintien de ce petit morceau de forêt permet à la vie animale de se maintenir dans la vallée. Et c'est grâce à cette vie animale, dans ces petits patchs forestiers, et puis à des forêts un peu plus lointaines, que progressivement, la vie végétale va pouvoir s'enrichir et puis redonner place à une forêt là où on est aujourd'hui, dans un maquis complètement dégradé. Nous trouvons maintenant pas trop loin d'un captage qui alimente les 3/4 de la population du pays. Donc un endroit très important, comme vous le saviez, l'eau est indispensable pour notre survie ainsi que celle des plantes. Comment la préserver? On regarde. Ça fait déjà 26 ans. 26 années où je fréquente, où je vis, où je partage mon quotidien avec cette rivière. Et mon attachement, il est simple, c'est que quand on habite à la rivière de Dimbéa, on s'y baigne tous les jours. Je pense que je m'y baigne tous les jours ou presque, ou 4 ou 5 fois par semaine depuis 25 ans. Donc forcément, on y travaille, on
à côté, quand il fait chaud, on court vite se baigner, on revient travailler. Elle est là, présente tout le temps. La rivière est tout le temps là. Elle nous fait peur quand il y a le cyclone. Elle nous rafraîchit quand c'est l'été. Donc, c'est sûr, elle fait partie de la vie. Donc, moi, elle fait partie de ma vie depuis 26 ans. Derrière moi, c'est la retenue d'eau du barrage d'Adimbéa, donc qui fait un certain nombre de litres d'eau, beaucoup de litres d'eau, à peu près 700 000, et c'est ce qui alimente Nouméa en eau potable. D'ailleurs, pas tout Nouméa, à peu près 80% Nouméa, Grand Nouméa. Donc l'eau vient d'ici, donc par là-bas c'est la montagne des sources, et donc c'est un grand bassin versant qui collecte toutes les eaux pluviales, qui ensuite vont dans cette retenue et qui descendent ensuite vers Nouméa par l'intermédiaire de tuyaux, qui sont après filtrés, distribués en ville. Alors oui, l'érosion, c'est le risque majeur pour l'eau potable. Alors pourquoi ? C'est en général difficile à comprendre, mais en fait, l'eau vient du ciel. Donc, jusque-là, tout le monde arrive à suivre, l'eau tombe du ciel, il pleut, ça mouille, et puis ça remplit les rivières. Le problème, c'est que quand la pluie dévale directement sur le sol, elle remplit immédiatement la rivière. On a immédiatement une crue, mais ce n'est pas pour ça que dans 15 jours ou 3 semaines, on aura encore de l'eau. Donc l'érosion, c'est en fait le fait que la terre est rincée et lessivée, tous les substrats qui sont au-dessus de la terre, les racines, les petits cailloux, la terre végétale, s'en va avec la rivière. Et en dessous, on trouve simplement une couche de roche, comme on peut en voir sur les versants. Et cette couche de roche ne peut pas retenir l'eau. En général, l'érosion, c'est parce qu'il n'y a plus de couvert végétal. Donc soit par l'action de l'homme, le terrain minier par exemple, c'est-à-dire faire une route, c'est-à-dire passer avec des engins miniers, c'est-à-dire pousser de la terre avec des bulldozers. Il y a le feu, qui est une des principales causes en Nouvelle-Calédonie et la principale cause d'érosion sur la vallée de l'Adimbéa. C'est-à-dire qu'on allume un barbecue, on jette une cigarette, et puis d'un seul coup, c'est plusieurs hectares qui s'en vont en fumée, donc c'est-à-dire plusieurs centaines d'hectares de bassins versants qui ne gardera plus l'eau et qui ne pourra plus nous la rendre. Parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est de l'eau potable. C'est-à-dire s'il n'y a plus d'eau potable dans la retenue d'eau de l'Adimbéa, il n'y aura plus d'eau potable au robinet de Nouméa. Si on garde le couvert végétal, s'il y a des arbres, s'il y a des plantes, des arbustes, les racines continuent d'entretenir cette petite couche végétale et des feuilles tombent, des feuilles empêchent effectivement l'eau de dévaler directement, les racines empêchent l'eau de dévaler directement vers l'aval et tout ça participe à retenir l'eau sur les côtés de la montagne. Donc l'eau descend de plus en plus doucement, enfin doucement, et ça permet d'étaler une belle pluie sur plusieurs semaines plutôt que sur 2 ou 3 jours dans un épisode de pluie forte sur une zone érodée. Nouméa, Grand Nouméa est en pleine expansion. Je rappelle qu'on a construit le barrage dans les années 50, la population a augmenté, on a augmenté sa capacité dans les années 60, la population continue d'augmenter. Donc si on conjugue la disparition du couvert végétal, donc une moindre capacité des sols à retenir l'eau et à nous la rendre, avec une augmentation de la population, les catastrophes climatiques annoncées, le réchauffement climatique nous prévoit des épisodes de sécheresse plus longs. Donc ça veut dire moins de couvert végétal, plus d'incendies, moins de retenue des eaux, plus de consommation parce que de plus en plus de gens sur Nouméa, Grand Nouméa, et des sécheresses de plus en plus longues. C'est là où on peut s'attendre à des soucis. Donc voilà ce qu'on risque, est de plus en plus de restrictions d'eau, donc un moindre confort pour la vie des gens, et puis une fragilité de plus en plus accrue pour la nature. Pour l'instant,
la fréquentation, le nombre de poissons est stable. Alors, quand on se met au bord de l'eau, on ne voit pas grand-chose, se promener à l'intérieur. Donc, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites. On a trouvé à peu près 40 et 41 espèces de poissons, quelques espèces endémiques au territoire, quelques espèces endémiques à cette rivière, c'est-à-dire qui n'existent que dans la Dimbéa, nulle part ailleurs. Je parle des poissons, mais il y a aussi des arbres, il y a le sapin de la Combouille, il y a quelques variétés d'oiseaux, il y a des lézards qui n'existent que dans cette vallée. Donc, effectivement, tout est riche ici. Tout est riche. Il y a énormément de choses à voir, à regarder, à sentir. Aux 3000 personnes qui viennent chaque jour de saison chaude fréquenter le parc, je voudrais leur dire que s'ils veulent continuer à venir, s'ils veulent continuer à trouver une eau rafraîchissante, s'ils veulent continuer à trouver de l'ombre, s'ils veulent espérer que leurs enfants, tout comme eux quand ils étaient jeunes, viennent se baigner dans quelques années dans la rivière Dimbéa, dans la vallée de la Dimbéa, il faut tout de suite qu'ils pensent à ce qu'ils font et qu'ils réfléchissent effectivement à tout ce qu'ils peuvent faire, pas seulement pour ne pas mettre la rivière et la nature en danger, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer sa protection. Protéger la nature, c'est protéger les gens. Et donc, c'est aux gens de le faire. Là, on n'est pas loin de l'arrivée. Et puis, bon, allez, encore, je pense que 1 kilomètre ou 2. Voilà, il est arrivé. Bon, ça! Ouais. Merci mesdames pour le breuvage. Olé. Allez, un petit coup pour la fin. Bravo Cédric. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Alors est-ce que tu es fatigué? Ça va. Même pas fatigué. Pas trop fatigué, ça va. Tu t'es rien blessé? Non, ça va. Sauf. Qu'est-ce qui se passe? Je te montre. La semelle de ma chaussure a lâché. Bonjour Margot. Ah ouais. Pour une fois que tu mets des chaussures, c'est ça aussi. Pour une sur fois. Ton plateau télé, c'est ça. Okay, voilà, il faut qu'elle soit cassée. Je crois c'est que t'es vraiment pas fait pour c'est... avoir non, des c'est chaussures. C'est pour la bonne cause, c'est ça. T'es mieux pieds nus. Je suis désolée. Voilà. Non, en non, tout mais cas, cool. Du coup, pour nous excuser d'avoir abîmé ta chaussure, je t'offre un petit cadeau. C'est cool. Un petit cadeau souvenir du Pentathlon. Ah, c'est gentil. Donc voilà, je te laisse découvrir ça. T'as les mains propres. Ça va, je viens de les essuyer, ça va. Tu veux que je te tienne ça? Oui, bon. Et si tu veux, maintenant, tu vas pouvoir me suivre et puis je vais te montrer le stand du WWF où on pourra voir les arbres qu'on va planter le 28 juin, si ça t'intéresse. Marche. Oui, ça m'intéresse. Ok, viens, c'est au d'accord. Fond là-bas. Ok. Donc voilà, le stand du WWF avec notre panda. Je te présente Brice. Enchanté Brice. Le coordinateur forêt du WWF. Comme tu le sais, l'objectif du Pandathlon, c'était de pouvoir financer un chantier de plantation. Mm-hmm. Et comme on a eu plus de 500 participants, on va donc pouvoir planter au moins 1000 arbres grâce au Pandathlon. Et Brice va pouvoir te présenter une ou deux plantes spécifiques vraiment de la forêt de Dimbéa. Eh ben, merci beaucoup Margot. Merci pour tout. Avec plaisir. Écoute, merci à toi d'avoir participé. Indé. Et puis, t'as fait une belle épreuve. Merci beaucoup. Salut. Ça roule. Tata. Donc voilà, Cédric, on a un échantillon de plants spécifiquement adaptés à la Dimbéa. Donc nous avons ici le gymnostoma, le bois de fer du sud. Ici, le fautec. Ici, le bois tabou, le bois pétrole. Alors, quel est le plan qui t'intéresse le plus pour la Dimbéa le 28 juin? Si ça ne te dérange pas, je vais choisir le bois de fer du sud. Excellent choix, Cédric. Olé, merci beaucoup, Brice. Je t'en prie, salut. Allez, à la prochaine. Voilà, We Are Rich, c'est fini pour aujourd'hui et ça a été une très très belle aventure. Pour ce bois de fer, je reviendrai dans la vallée de Dimbéa pour le planter. La rivière est juste à côté. Pour moi, je vais en profiter un peu. Et pour nous, on se dit à bientôt dans une prochaine émission. Allez, tata. Pour les arbres, pour la nature et parce qu'on aime beaucoup aussi participer. Donc pour une fois qu'on court par quelque chose de super intéressant,
Ça, il faut faire. Ok, bah, merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Merci. Loin de ta maman.